Bonjour, bienvenue sur ce Gravo Live en direct du Fab Lab de l'unité de production du groupe GravoTech. Le propos de ce Gravo Live, de cette session en direct aujourd'hui, est la réalisation d'une carte en carton réalisée à l'occasion de la fête des mères. Donc ce travail de précision sera fait sur un laser, laser CO2 que nous allons voir ultérieurement. Le travail que nous réalisons aujourd'hui, ce job, comme le terme l'indique, le job ici est constitué d'une gravure, d'une découpe extrêmement fine, d'une gravure de texte, de la découpe au format de la carte et même d'un pointillé qui aidera ici au pliage de la carte. Le travail est représenté ici à l'écran donc de LaserSteel, le logiciel de composition de la marque GravoGraph. Ce travail qui a été composé assez facilement, positionner un texte, insérer un logo, qui a été légèrement retravaillé de façon à pouvoir permettre sa découpe facile, la mise au format a été réalisée donc sur ce logiciel, puis transférée sur la machine que l'on voit ici. La machine donc laser que l'on voit à l'écran est donc le LS100EX d'un format exact de 610 par 305 mm pour permettre le positionnement assez aisé de tout type de matériaux aggravés et ici en l'occurrence il s'agit donc de simple carton. Je positionne la feuille de carton sur ce matériau particulier qui est exclusif à GravoTech. Il s'agit donc de GravoGrip, cette matière adhésive qui permet de positionner le matériau aggravé et qui l'empêche donc de gondoler et de bouger suite à l'action du tuyau déraciste, donc de l'envoi en pression d'air pour éliminer les fumées. Le carton est positionné sur la matière adhésive. On appuie sur Start. Et la machine se positionne tout d'abord pour détecter automatiquement la focale et commence la partie gravure. Le texte en gravure se réalise en mode raster, c'est-à-dire que le laser balaye de droite à gauche la matière à graver de façon à assurer la gravure. On voit bien ici que la feuille de matière, donc en l'occurrence ici ce carton très très fin, reste parfaitement plat grâce à l'action du GravoGrip et cela permet ainsi d'avoir une gravure parfaitement uniforme sur toute la surface de la table. A noter également que nous avons programmé la gravure depuis le bas de la feuille jusqu'en haut de la feuille de façon à ce que le balayage se fasse de la partie avant vers la partie arrière du laser. De cette façon, les fumées éventuelles se dégagent. Ici, très rapidement, le laser fait la découpe à la forme de la carte et maintenant s'attaque à la gravure très précise de ce futur dessin. Ici, voilà. On remarque ici que le laser est positionné sur un système d'extraction-filtration des fumées qui est extrêmement important à conseiller lors de l'utilisation du laser CO2. En effet, l'action du laser CO2 génère sur la matière aggravée de la fumée, de la poussière qu'il est important d'évacuer de la machine et également de traiter et de filtrer. Ainsi, ce système d'extraction-filtration comporte une série de pré-filtres et de filtres, puis un grand bac de charbon actif pour le traitement des odeurs.
La machine ici laser, plus précisément, a été équipée d'une focale de 1,5 pouces, focale très courte, qui permet la gravure extrêmement précise, la découpe surtout extrêmement précise de matériaux fins comme le fin et tendre, comme le carton. On remarque la vitesse à laquelle le laser fonctionne ici en mode vecteur, puisque le faisceau suit une forme. Le temps de réalisation de ce logo extrêmement fin et précis a une durée de 2 minutes. On remarque également donc l'efficacité, comme je le disais tout à l'heure, l'efficacité du système d'extraction-filtration, puisqu'absolument aucune fumée résiduelle ne reste à l'intérieur du cabinet laser, c'est-à-dire de l'espace de travail de la machine. L'ensemble des fumées est extraite et traitée séparément de la machine, qui permet ainsi au laser, à l'unité laser, de rester parfaitement propre. La machine laser, qui génère ce travail est un laser de puissance 40 watts. Le travail est ainsi terminé. On voit déjà un premier élément de sa réalisation ici. Donc pour le mettre en évidence, on échenille, c'est-à-dire qu'on enlève d'abord la partie externe, puis on va voir l'efficacité donc de ce fameux matériau agrippant et adhésivant, GravoGrip. Et le travail est ainsi réalisé. Voici cette carte avec son travail très fin, dentelé, et le pliage aisé grâce à la réalisation donc de ce fameux pointillé qui a eu lieu ici. Voilà, nous avons été extrêmement heureux de partager avec vous ce moment de gravure et découpe laser de la marque Gravograph, à l'occasion donc de la fête des mères et en tout état de cause de sa préparation. Bonne journée.